I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Into your hands a plan, your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour, take a cold shower. Scream until you're louder, work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. Off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. Take a f***ing swing. Do you got heart? Are you mean? Got some scars, got some needs. Are you willing to go bleed? I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm f***ed off at these f***ing clowns. Hoover up taught they deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. I swear to God they all let me down. De nous et puis vous allez nous faire croire que nous on doit lutter pour que l'événement de EK là soit annulé. Ça ne sera jamais annulé ici. Voilà, le 4 là, il va avoir événement de Emmanuel Keïta. La mytho que vous traitez de mytho aujourd'hui là, son événement va avoir lieu. Voilà, parce que votre sorcellerie là, au fait vous avez organisé une sorcellerie. Maintenant, comme vous avez vu que votre sorcellerie n'a pas marché là, vous allez vouloir vous en prendre. Déjà même là, EK ne doit rien à quelqu'un. Voilà. Elle ne doit rien à quelqu'un. Il faut que ça soit clair dans vos cerveaux. Famille, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. À 1000 partages, on commence le scénario. Normalement, vous êtes 230 personnes. Normalement, ce matin-là. Normalement, ce matin-là, il doit avoir au moins, au minimum, 230 personnes. Si vous partagez dans 10 groupes chacun, minimum, minimum, je dois voir au moins les... Est-ce que vous voyez? Partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Partagez le direct. On met le son de la Libias. Voilà. Partagez le direct, famille. Partagez massivement. La Libi, Libi, Libi. La Libi, Libi, Libi. Hein? Ce matin, il y a porté un petit bal à cause d'eux. Je vais vous montrer maintenant. Partout dans nos sociétés. Mais heureusement, à travers les gens. Hein, il y a une famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Avoir cœur blanc n'est jamais. Partagez, dites-leur de venir. C'est un Genzeli chap-chap.
Dites-leur de venir, dites-leur que je suis là. Taguez-moi la femme la plus mouton des réseaux sociaux. Partagez le direct, famille. Je ne vois pas les partages là, c'est comment? Partagez le direct là. Le volant, volant, volant. Famille, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement, s'il vous plaît. À toujours, toujours. Partagez le direct massivement à la famille. Partagez, partagez, ça monte. On sent que c'est difficile de monter parce que la page elle était restreinte. Mais c'est pas grave. Partagez le direct, partagez massivement s'il vous plaît. Partagez. La Libias, la Libias. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Partagez le direct, s'il vous plaît. Ma page là même là, ma page, je dois jeter ma page là. Carly 12, elle dit j'ai partagé. Eh, merci beaucoup. Merci de partager le direct, famille. Merci de partager le direct, s'il vous plaît. On va avancer comme ça. Partager le direct, famille. À 300 déjà, c'est déjà beaucoup. Pour une page qui est restreinte, à 300, on est déjà bon. Mais partagez un peu encore. Voilà. Partagez le direct. Aïssa Ouattara, c'est comment ça va? Partagez le direct massivement. Voilà. Attendez. On va faire quelque chose. Chap-chap. Nickel. Ok. Je vous ai dit que je suis en anti-balle ce matin. Dans tous les propos que je vais envoyer là, ça va, quand il va avoir des réponses là, ça va dormir sur moi. Ça va dormir sur moi. Donc là, prenez vos tabourets. Les paroles qui vont sortir là, en tout cas, pour ceux qui sont mineurs là, quittez le direct. Aka Nathalie, gros big up à toi. Merci de partager le direct. Merci de partager le direct. Mais avant même de parler du direct, je vous savais que je suis le meilleur vendeur d'agrimoteurs sur les réseaux sociaux. Le médicament même qui te permet de bannir tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle dans ton corps. Voilà. Le médicament même qui te fait bander correctement. Tout ce qui est problème de dos, de rein, tout. C'est moi qui gère ça. Il n'y a pas quelqu'un qui gère ça. Donc ce matin-là, on voit même de le baboukou là. Il faut qu'il soit bien bandant d'abord. Est-ce que vous comprenez? Mais pour prendre l'agrimoteur là. L'agrimoteur, c'est très facile parce qu'on me pose trop de questions. Ah, l'unique, agrimoteur, là, tu prends ça comment? Vous voyez, je prends demi-verre de lait. Demi-verre de lait, je fais ça. Voilà, vous voyez. Demi-verre de lait. Voilà. L'agrimoteur, il est là. La poudre la plus magique au monde. Voilà. Tu prends l'agrimoteur, une petite cuillerée à café. Voilà, tu fais ça. Tu mets dedans comme ça, tranquillement. Parce qu'il y a des gens qui pensent que moi, je ne bois pas. C'est un traitement. Ce n'est pas un aphrodisiaque. Voilà, je prends, voici, une cuillerée à café, je mets dedans. Moi-même, je dose bien. Voilà, puis je touille. Je touille bien. C'est un traitement, c'est pas... Moi-même, je bois ça. Parce que les problèmes de dos, là, nous tous, on en sait. Si tu travailles ici en France, forcément, tu vas avoir problème de dos. Voilà.
Je touche ça bien. Voilà. Je touille. Et puis je bois mon truc au calme. Voilà. Vous voyez, moi-même, j'ai bu le produit propre. Pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, je suis le papa de ça. Les vieux moteurs, là, je répare tout ce qui est vieux moteur. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Aujourd'hui, là, on fait le traitement à 100 euros. On n'a pas besoin d'un pauvre lot. Voilà, famille, partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Donc, la grille moteur, là, actuellement, il reste pour 12 personnes. Il reste pour 12 personnes. Pour tous ceux qui ont besoin de la grille moteur, là, veuillez me contacter au +337. +337 67 04 81 69. +337 67 04 81 69. J'ai bu devant vous. C'est-à-dire que moi-même, je me traite. C'est pas comme si on m'a dit non, Jean. Moi-même, je me traite. Voilà. Parce qu'un garçon qui bande pas, un garçon qui bande pas, il peut être jeté comme Peter 007. La vraie version, c'est que Peter ne bandait pas dans cette relation-là. Parce qu'une go qui a puni en elle, mon frère, faut avoir gaillard, faut que tu bandes normalement pour rentrer au caillou. Voilà. La plupart des foyers aujourd'hui qui sont brisés là, c'est parce que le gars ne s'élève pas. Moi-même là, je prends mon produit. C'est pas comme si les gens disent que non, c'est comme ça, c'est ceci. Le produit est là. Je fais le traitement à 100 euros. Maintenant, pour ceux qui veulent essayer, les 3 pièces à 50 euros. Ça vient tout droit du bled, tout droit du village. C'est pas zéro produit chimique, zéro effet secondaire. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct massivement. Je ne vois pas les partages. Jusqu'à présent, on n'a même pas encore atteint la barre des 400 personnes, même si la page est restreinte. Essayez de faire un peu d'effort. Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go. So just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted. So mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll put it on your face just to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. Overdue. Come at me and you won't get any older, dude. Crack your holder too. Heating up inside of me, blood so violently. Thanks for trying me. Now it's finally time to see how this rivalry becomes a dynasty. Montrer Emmanuel Keita que c'est une bébé dans le game. C'est une enfant dans le game. Dans le game, là, c'est comme à la guerre. Il y a, même à la guerre, là, on respecte des règles. Mais toi, l'autre fois, quand tu étais couché, là, EK s'est permis de venir se moquer de toi. Elle a marché sur toi. Mais tu avais l'aval. Aujourd'hui, là, toi, Yves Dero, là, tu avais l'aval de l'allumer copieusement. Mais tu n'as pas fait ça.
tu as profité, prendre de son côté et puis demander à tout le monde d'aller à son événement. Parce que son événement, qu'on le veuille ou pas là, si EK perd l'argent dedans là, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on ne va pas la rembourser. On ne peut pas aider quelqu'un. Pourquoi commencer à s'asseoir sur son événement qu'elle va faire? Mais si elle va aller mentir, est-ce que ça à nous, elle va mentir? Ça à ses abonnés, elle va aller mentir? Donc, à quoi ça sert de faire une sorcellerie pour vouloir forcément gâter l'événement de Manuel Keïta? Moi, je ne vois pas. On peut attaquer la personne de Manuel Keïta, mais ça ne doit pas nous empêcher de dire aux gens d'aller à son événement parce qu'elle a mis de l'argent dedans. Donc, s'il y a faillite, là, si elle perd, là, mais quand elle va être en train de pleurer parce qu'elle a des enfants à nourrir, hein, on rigole, mais elle a des enfants à nourrir. Si elle perd de l'argent dedans, là, ses enfants-là, on est combien sur les réseaux sociaux là, qui allons se lever pour dire non, qu'on va cotiser pour Emmanuel Keïta, même si c'est une mytho, là, on va cotiser pour elle pour la faire avancer. Personne. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait ça sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un moment, famille, partagez la vidéo là, ça. Vous êtes 600 normalement, là, je dois voir les. Si chacun partage dans 100 groupes là, si chacun partage dans 100. Vous êtes en train de me regarder, si chacun partage dans 100 groupes là, actuellement là, 100 multiplié par 600, ça fait combien? Ça fait 6000. Partagez au moins le direct dans moins 100 groupes, et puis vous revenez, et puis on continue le débat. Allez dire à tous ceux qui sont en direct que la chakala est là. Allez leur dire que le fresh boy est là. J'ai porté mon anti-balle là, c'est pour allumer tous ceux qui veulent nuire à l'événement d'Emmanuel Keïta. C'est une mytho, oui, on a compris. Mais elle a investi de l'argent dans un projet. Oui, son projet là, faut respecter son projet. Parce que ce qui te donne à manger là, on ne va pas permettre aux bâtards des réseaux sociaux là, comme la salope de Jessica là, qui a fini de profiter de la pauvre dame. Et puis aujourd'hui là, on dit sur les réseaux sociaux que c'est Yaka seul qui insulte partie intime des femmes, non. Mais ce chien errant là, cette pute des réseaux sociaux là, quand il se met à insulter la pauvre Emmanuel Keïta là, vous êtes où pour parler? Vous êtes où pour parler? Il a fini de profiter de la dame. Il a fini de profiter de ses abonnés. Aujourd'hui, là, il trouve qu'on doit boycotter l'événement de Manuel Keïta. Parce que lui, il est en accord avec son ami. Il est d'accord avec son ami. Avant même d'arriver sur toi, là, il vient. Yeri, les balles seront réelles matin. Là. Partagez le direct massivement, s'il vous plaît. Donc, Yves Dero, le geste que tu as fait, là, c'est un geste respectable. C'est un geste qui est à respecter. C'est un geste qui est à considérer. Même si, moi je ne suis pas là pour savoir si tu as fait ça de bon cœur ou de mauvais cœur. Mais du moment que tu as partagé sur ta page, pendant qu'elle est en train de se faire lapider, là, c'est que toi, là, tu es une femme à respecter. Voilà, tu vas toujours évoluer dans ce que tu fais. Ce n'est pas facile. Mais j'ai vu le poste de Manuel Keïta matin comme une guindée. Toi, tu es en position de faiblesse. Comme une guindée. Toi, ta camarade fait poste pour te soutenir. Tu as venu dire non que toi, tu es la reine du game. Que tu gères le game. Toi, gérer le game dans du mensonge et honté à longueur de journée. Aujourd'hui, là, toi, une grosse femme comme toi, on t'a collé une étiquette de mytho. Parce que ce n'est pas moi qui parle. Hein, c'est ton ex-mari. Là, ton ex-copain, celui qui t'a fiancé. Là, il t'a collé une étiquette de mytho sur les réseaux sociaux. Comment tu fais pour enlever cette étiquette-là sur toi? Une femme fait poste sur toi, au lieu de t'estimer heureuse, tu as venu dire que non. Par rapport à ce que tu as fait là, blablabla, apporter un commentaire, puis tu viens encore te mettre dans une position de femme qui est. Hey, ma chérie, tu vas devoir te calmer. Tu vas te calmer et puis faire ton événement tranquillement. Parce que ce que tu veux rentrer dedans là. Si les gens veulent commencer à boycotter ton événement là, Ali Moro, tu ne vas pas avoir. Ali Moro, tu ne vas pas avoir. En plus d'être une menteuse, une mytho, à passer ton temps à vendre du rêve à tes camarades sur les réseaux sociaux. Là. Quand des gens t'encouragent, il faut avoir le minimum, le minimum même de reconnaissance sur les réseaux sociaux pour faire croire aux gens que, ah, il y a eu quelque chose, mais Yves Dero n'a pas pris parti. Elle m'a soutenu. C'est comme ça une femme se comporte. Tu es là, tu es guindé sur les réseaux sociaux. Tes enfants, là, c'est sur Facebook que tu les as fait. Ta vie, là, c'est sur Facebook que tu as fait ça. Faut pas te ressaisir. Hein. Faut pas te ressaisir. Tu as mougoué tous les blogueurs de Facebook. Faut pas te ressaisir. Tu as mougoué tout le monde sur Facebook. Y a moi quelqu'un comme ça. On te soutient. Et puis toi, tu as venu faire poste pour montrer qu'elle son poste qu'elle a fait là. Toi, tu ignores ça. Toi, tu fais rien ça. Toi, tu es la princesse de Facebook. Depuis quand Facebook les ont. Depuis quand Mark Zuckerberg a décoré un blogueur sur Facebook. Y a moi celle là. Mais moi, mon problème, c'est pas toi. Parce que moi, là,
tout ce que je prie là, faut que ton événement réussisse. J'invite tout le monde, à tous ceux qui ont encore de l'estime et de la considération pour Emmanuel Keïta, levez-vous, allez-y massivement à son événement. Je ne peux pas faire de la sorcellerie si l'événement de qui que ce soit. Je ne peux pas faire la sorcellerie, je ne peux pas permettre même aux gens de boycotter son événement parce que je ne sais pas combien il a mis dedans. Voilà. Ceux qui aiment toujours Emmanuel Keïta, là, levez-vous, allez-y. Ce n'est pas grave, n'écoutez pas les oreilles des gens. Parce qu'on vit dans un monde où chacun se cherche pour manger. On ne va pas gâter le maïman de quelqu'un. Il y a une famille, vous avez 800, mais regardez, partagez le direct, mettez assez le cœur. Partagez le direct, mettez assez le cœur. Parce que là, c'est introduction. Si vous ne partagez pas le direct, on s'arrête là. C'est introduction. Ma page est restreinte. Vous n'allez pas permettre aux gens de rigoler de moi quand même. Normalement. Avant, là, quand l'unique en direct, là, si on n'a rien, sur moi 1000 personnes avant de débuter. Je fais partie de la Libias quand même. Et à la Libias, on nous a appris à dire la vérité. En temps et en heure. On nous a appris à dire la vérité. En temps et en heure. Je ne suis pas ici pour sucer les couilles aux femmes de manière Keïta. Mais je dis, en cette position de faiblesse là, je ne peux pas me permettre, moi, de détruire Emmanuel Keïta. Parce qu'elle est en position de faiblesse. Je ne peux pas me permettre de détruire l'événement de manière Keïta. Voilà. C'est ça au moins, c'est clair. Mais je dis, toi, MK s'écrit là. La fille la plus bête des réseaux sociaux. En plus d'être une femme illettrée. Parce que tu es illettrée. Tu es bornée. Si tu es nul. Tu te rappelles de l'unique, non? Je suis le jeune. Quand il y a eu l'histoire d'Apoutou sur les réseaux sociaux, tu es sorti, tu as commencé à m'insulter dans tous les sens. On vous a toujours dit que Facebook, là, c'est comme tontine. Chacun prend sa part. Facebook, là, c'est comme tontine. Chacun prend sa part. Donc, il a dit ton papier qui c'est matin. Là. Voilà. Parce qu'il n'y a pas plus mouton que toi. Après, Akpama, c'est toi qui viens. Tu te rappelles dans le temps, Akpama est venu livrer son mari sur les réseaux sociaux. Quand elle est venue livrer son mari, là, elle s'est retrouvée où? Le Moro s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à Abidjan à 5h du matin. En train de se marier avec une petite fille. Voici une mouton des réseaux sociaux. Voici une femme qui n'est même pas intelligente. Parce que toi, là, parfois, il me demande comment tu as fait pour atterrir en France ici. Voilà, tu connais rien. Tu es une illettrée. Tu prends ton mari. Tu prends toi ton mari. Mari que les gens cherchent ici en France, André Torche, là. Les gens meurent même d'avoir un mari dans leur vie. Ici en Europe, là, pour avoir un mari, là, ma chérie, c'est pas facile. Mari que ici, là, quand les filles, là, même elles attrapent un comme ça, là, André Trophée. Toi, tu prends ton mari. Tu vas l'exposer. Et puis tu es fier à cause de vue. À cause de vue. Parce que tu veux qu'on parle de toi. Tu veux qu'on te mette au même level que Emmanuel Keïta. Tu veux qu'on on dit, tu prends ton mari, tu viens le livrer comme ça. Tu prends ton homme, celui avec qui tu as fait des enfants. Tu viens le livrer à la verdict populaire. Tu prends toi ton mari, une go enragée comme Eka. Tu prends toi ton mari, tu t'en vas mettre dans sa main. Et puis, il traite avec un cas. Peter n'est pas au courant. C'est-à-dire que quand il allait rentrer dans la vie, parce que c'est quelqu'un qui a l'argent. C'est ce qu'on nous a dit. Comment se fait-il que toi, ton mari traite avec un cas et puis le mari concerné, Peter 007, n'est pas au courant? Normalement, on vit dans un couple. Moi, ma copine, elle traite une affaire avec quelqu'un. Moi, je suis au courant de la tête aux pieds. Elle ne peut pas me cacher quelque chose. Oui. Moi, ma copine, là, elle traite une affaire avec quelqu'un dehors. Moi, là, elle ne peut pas me cacher quelque chose. Soit elle va rester là-bas avec ses bagages. Mais un cas traite quelque chose avec ton mari. Son mari, c'est-à-dire que Peter n'est pas au courant. Ma chérie, un cas a déjà pris son un coup. Si c'est ce que tu ne veux pas entendre, là, moi, elle te dit ça. Elle a déjà lapé les testicules de ton mari.
dire. MK, je suis l'unique. Celui que tu t'es pressé à clasher pour ne rien du tout. Tu causais moi très bien, mais tu m'as livré ici. Mais je t'ai montré ton vrai nom, Neni sans prêt. Comme tu cherches non là, mettez assez de cœur, tchat. Mettez assez de cœur. Mettez assez de cœur. Elle n'a pas été indulgente avec moi. Quand j'ai eu mon truc ici, là, elle est sortie. Ça sort comme ça sort. On vous a dit que Facebook, là, c'est tontine. Chacun prend sa part. La femme la plus mouton en fin de cette année-là, MK s'écrit. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Comment tu donnes poisson à chat de garder? Et puis quand chat l'appelle, toi tu enregistres. C'est toi qui enregistres ton mari. C'est toi qui enregistres les conversations qui se passaient entre ton mari et Peter. Et comment on appelle ça? Emmanuel Keïta. Maintenant, pose la question à Emmanuel Keïta. Comment se fait-il que tu es dans un deal avec mon mari et puis Peter, ton mari n'est pas au courant? Elle a déjà pris sa nature. On ne vous doit rien. Oui, un cas ne vous doit rien. Parce que ton mari, là, demande-lui comment il s'est fait rembourser. Demande-lui. Il va te parler des positions A, B, C, D jusqu'à Z. Il a déjà pris son argent. Oui. Parce que parfois, là, quand la femme n'a pas le moyen de te donner sa cache-cache, là, elle te donne ça par derrière. Tu prends son calme. Quand tu finis de jouir, là, ton âme est fini. Il a fini de jouir, son âme est fini. Voilà. Il faut que ça soit clair dans ta tête. C'est pour ça qu'elle a dit qu'elle n'est pas en partenariat avec vous. Elle ne vous connaît pas. Voilà. Dis à ton mari de sortir le contrat. Bête femme. Tu es là. Et puis tu es fière de venir sur les réseaux sociaux. Quand on est illettré, là, on est un peu la jugeote. Quand on est illettré, on est un peu la jugeote. Quand on ne sait pas parler français, là, tu peux pas qu'on ton mari, là, quand on te met, toi et ton mari, et puis on met EK. EK va te malmener sur tous les plans. Toi, tu ne sais pas parler français. Tu vas faire quoi, EK? EK, ton mari, là. Ton mari, ton loulou français que tu parles à ton mari, là. Il suffit que EK récupère ton mari. Et puis, là, elle met les loulous français de Molière dans ses oreilles. Mais si matin, midi, soir, l'attend, il codit, et qu'il entend les loulous français de Molière, mais il va donner tout ce qu'on lui demande, il va donner. Mouton. Saga. Il y a juste que ma voix est partie. Saga. Bête femme. Tu viens là, tu es fier. Et on investit dans les histoires des cas là. Mais eux, quand t'as dit, malgré que vous avez investi dedans, toi et ton mari, elle dit, toi là, tu colles pas ton image à son événement. Normalement, ton mari devait s'offusquer. Il devait dire quoi? Moi, ma femme, quoi? Moi, même on a quelque chose. T'as dit non que moi, ma femme ne doit pas coller son image à toi. C'est parce qu'il sait qu'il a déjà pris son un coup. Ça, là, il te confirme ça. Si tu veux, là, faut mettre patte dans tes yeux. Faut faire semblant de ne pas voir. Si tu veux, faut mettre tes cailles dans tes yeux. Mais moi, je te confirme que ton mari a déjà pris son un coup là-bas. Voilà, wow, wow. Il l'a mis, ils ont mis bim, bim dans son corps. Actuellement, là où il est là, il n'y a que ses larmes pour pleurer. On ne lui donne rien ici. Bête femme. On peut être mouton comme ça, puis être sur les réseaux sociaux, on doit vouloir forcer la Starmania. On peut être mouton comme ça. Ton mari a l'argent, pourquoi il s'investit pas en toi? Toi là, pourquoi il s'investit pas en toi pour que tu puisses faire ton événement aussi? Hein? Et puis toi, tu donnes ton mari à une autre femme, à rager. Quelqu'un qui veut le bling bling, le luxe luxe. Toi, tu dois donner ton mari. Mais tu penses qu'ils allaient faire quoi? Conan, Peter n'était pas au courant. Yako Peter. Il n'y a pas Yako Peter ici. EK là, c'est comme une joueuse de dames. EK est comme un joueur de dames. EK bouffe les pions quand il y a le temps de bouffer. Si elle doit bouffer les pions, elle bouffe. Oui. Pour avancer dans la vie, elle bouffe les pions. Quand Yako Peter, dont tu n'étais pas au courant de tout ça. Mais il va être au courant comment? On dit le gars qui arrive, il a un peu de jetons dans son compte. Elle a fait un mauvais calcul sur Peter. Elle a cru que, comme le gars a dit, non, il touche 7000 euros par mois. Donc, elle a fait un calcul sur Peter de 70000 euros à 10 mois. Donc, elle se dit que Peter, de la manière qu'il vient dans sa ville, il a au moins minimum 70000 euros sur lui. Elle arrive, elle trouve que le gars, là, il a 15000 euros. En une semaine, il a dépensé 10000 euros. Il lui reste 5000 euros. Et puis, en plus, il jouit vite. Voilà. Le problème avec Peter, c'est qu'il jouit vite. Tu n'as rien, tu jouis vite. Mon frère, dégage de ma vie.
C'est ce qu'a fait à Peter. Tu n'as rien, tu jouis vite. Ça, c'est quel comportement, ça? Mais dégage de ma vie. Maintenant, on lui présente un gars. On dit, voici quelqu'un. C'est le mari de M.K. Segré. Il a tout l'an, là. On dit, il a tout l'an, là. Mais au lieu de rester quelqu'un qui n'a rien, en plus qu'il n'a rien, au moins sur Dieu, on peut comprendre. Mais il n'a rien, il joue vite. C'est pas mieux, on prend celui qui a l'argent, puis il joue pas vite. Il joue vite, là. Parce que ton mari joue vite. Parce que les garçons qui parlent beaucoup comme ça, c'est les garçons qui jouent vite. Voilà. Mais il a un peu d'argent. Donc c'est mieux, lui, il va venir jouer vite. Tant qu'il paye, il n'y a pas de problème. N'importe quoi. Peter peut nous dire pourquoi ils l'ont chassé, parce qu'il n'a rien et puis il joue vite. Pourquoi il est parti. C'est pour ça que je vous dis, l'agrimoteur là, voilà, pour tout ce qui est éjaculation précoce, érection molle, il est là. Contactez-moi au plus 33 7 67 04 81 69. Érection molle, éjaculation précoce, mal de dos, maux des reins. Si ton mari joue vite là, ma chérie, viens me voir. Si tu joues vite, champion, viens me voir. Le produit est là. Je vais vous livrer ça jusqu'à chez vous à la maison. Famille, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ton mari doit te laisser pour ta voisine. Ça, c'est clair. Parce que tu es bête. Ta voisine célibataire, là, ton mari doit te laisser pour aller. Ou bien il doit continuer sa vie avec Emmanuel Keïta. Il doit te laisser pour ta voisine. MK, il n'y a pas plus mouton que toi. Hein. Il n'y a pas plus mouton que toi. Une go enragée qui est dans le foyer. Le gars même là. S'il est là-haut. S'il n'est pas là-haut, on ne sait pas. Famille, partagez le direct ça. Partagez le direct ça. Partagez le direct. Vous êtes en train de diminuer le direct là. Partagez le direct ça. Oh. Si vous ne partagez pas, il m'arrête là. Parce que il y a un Jenzeli sur Jessica là. Si le direct reste comme ça là, il m'arrête là. Il y a un Jenzeli, mettez assez le cœur, partagez le direct. Si tu joues vite que tu as honte de venir prendre mon médicament, c'est toi qui vois. On dit le meilleur vendeur d'agrimoteur. Partagez le direct ça. Le direct est en train de diminuer. Vous aussi. Il y a ça qui m'ont vu en direct, ils ont lancé leur direct. Pour casser mes vues. Voilà. Ils m'ont vu en direct. Pour casser mes vues. Voici quelqu'un comme Jessica. La sale. C'est-à-dire que lui là, c'est le saligo de Facebook. Voici quelqu'un. Quelqu'un, tu as suivi EK à la lettre. C'est-à-dire que tu étais dans son sang comme ça. Il a dit que lui là. Tout ce qui les intéresse sur les réseaux sociaux, là, c'est comment Mougou les femmes avoir leur intérêt. Toi, EK t'a fait. EK a demandé à tout le monde de s'abonner à ta page. EK a tout fait. Même si EK se trouve. Hey.
Et puis tu passes ton temps à attaquer les projets des gens. C'est chez moi, on sèche ça. C'est un poutou mouton là qui vous a donné nom. Toi, tu t'es mis ici, tu n'as pas dit Oscar là. C'est de la merde. Toi, tu n'as pas dit ça ici. Tu as attaqué les Oscars dans Poutou jusqu'à la dernière demeure. Mais comme lui aussi, là, il est prêt à donner son cul à tout le monde pour qu'on le mougoule. Il allait faire amitié à toi. Maintenant, là, ton comportement, là, ça n'a pas changé. C'est ce moment qui est arrivé. Cette fois-ci, là, on va courir. On va courir. Faut dire à ta vieille femme qui est dans la maison qu'elle a attaché sa ceinture. Parce qu'elle, là, il n'y a pas la ratée. Faut dire à ta cougadine, là, elle n'a qu'à attacher sa ceinture. Celle qui a né André épouvantail, là, elle n'a qu'à attacher sa ceinture. Parce qu'on va courir. Quand il est sorti, là, si tu as insulté Manuel Keïta encore, là, quand il est sorti, là, ta femme, tout le monde n'est pas les rater. Je ne vais pas les rater du tout. Ta vieille go camerounaise qui est couchée chez toi là-bas, qui n'a pas de ville, qui s'est fait mougou de partout ici en Europe, vu qu'elle n'a plus de repères, elle allait te prendre comme toi un gigolo, un souffert ourou de France. Parce qu'il y a maître chien, et puis il y a maître chien, et puis il y a souffert ourou. Toi, tu es un souffert ourou. Toi, un souffert ourou comme ça, vieille femme te bêche dans la maison, et puis toi, tu as le cran de parler sur Facebook. Mon chien va. Tu as appelé l'événement de manière qui est à cabaret. Tu as mis ton nom dedans. Tu as mis ton nom dedans. Toi-même, tu es allé dans ton mouvement. 5 euros est perdu, tu as fait toller sur la toile. Dans ton événement, tu es parti là. 5 euros est perdu. Tu as fait toller sur la toile. De la manière que tu n'es pas prêt pour que ton argent se perde là. Mais tu vas pas participer à boycotter l'événement de manière que tu as pu nous on va te regarder. De la manière que tu n'es pas prêt à accepter que ton 5 euros, parce que quand tu es parti là, ton argent est perdu là-bas. Quand on a bien fouillé là, on nous a fait comprendre que c'est 5 euros. Bien des 5 euros. Mais tu es venu pleurer sur Facebook ici quand on t'a volé, non? Mais imagine que toi, tu pleures pour 5 euros. Quelqu'un qui a investi plus de 40 000 euros dans ses affaires. Toi, tu penses que cette personne va rester comme ça? Et moi, chien comme ça, mais mon frère. Tu as venu sur les réseaux sociaux que non, c'est ceci, c'est cela. Toi, Jessica, là, hé, si ton bocléa que tu fais, les vieilles go de France, là, si ça te dépasse, là, viens sur le terrain. Venez sur le terrain. Moi, à la Libias, là, je suis le Kafri, je vous ai déjà dit ça. Voilà. Je suis le Kafri, il n'y a rien à perdre. À la Libias, là. Eux, ils ont leur mouvement. Et puis moi, j'ai mon mouvement. Je suis le Kafri. J'aime pas l'injustice. J'aime pas les saloperies. Vous ne pouvez pas profiter des gens et puis aujourd'hui venir les livrer à la verdict populaire. Ça ne se fait pas. Tu ne peux pas profiter de la Eucaland. Et puis on est venu aujourd'hui insulter toute la Eucaland. Parce que ton frère Jugolo est venu se confier à toi. Qui veut nous dire ici, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il a fait dans la vie de la femme pendant 5 mois? Pourquoi il a accepté les mensonges de cette femme pendant 5 mois? Pourquoi il se promène sur les réseaux sociaux pour fatiguer les oreilles des gens? Qui vient nous expliquer ça? On est venu pleurer dans la jupette des gens pour dire non, blablabla. Puis toi, tu as de jouer le loup-garou, quoi. Bouche que tu as pour parler là, nous on a ça son triple. Voilà. Ton gars là, il a zaé. C'est un gros poisson. C'est un pisseur. Ton Peter 00 là, c'est un gros pisseur. Voilà. Il jouit pas vite, il n'a pas l'an. On le dégage. Tu connais pas la condition? Quand tu es gigolo là, si tu jouis pas, si tu jouis vite et que tu n'as pas l'an, on te.